Et salut à tous, c'est Bubu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans PES 2021 pour un nouveau jour de match. Et la rencontre du jour, c'est un match de Ligue 1, quatrième journée de cette compétition, entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain. Une rencontre qui pourrait être marquée par la première apparition de certains Léo Messi sur le terrain. Alors évidemment, de mon côté, hein, pas de surprise, je l'ai évidemment aligné. Il est bien sur le terrain en compagnie des nouvelles recrues comme Hakimi, Wijnaldum, ou encore Sergio Ramos et Donnarumma. Alors le PSG qui a bien débuté avec 3 victoires en 3 matchs pour cette nouvelle saison de Ligue 1. Alors on sent quand même que l'équipe n'est pas forcément dans la plus grande des sérénités, avec notamment beaucoup de buts encaissés, j'en ai compté 5 en 3 matchs. Alors le PSG qui est leader, alors entre guillemets, de cette Ligue 1, sachant qu'évidemment vous le savez le classement est en suspens par rapport à la rencontre entre Nice et l'Olympique de Marseille. Voilà, donc on va dire que pour l'instant, cette équipe parisienne mène bien sa barque. Du côté de Reims, évidemment, c'est beaucoup plus simple. C'est 3 matchs nuls. C'est une équipe qui a joué un petit peu les milieux de tableau la saison dernière. Ils ont terminé à la 14e place, à seulement 2 points du barragiste. Donc la saison dernière, c'est une équipe qui joue quand même assez bien. Donc j'espère vraiment que ça va être une belle compétition. En tout cas, avant la trêve internationale, hein, puisque vous savez, dès la semaine prochaine, ce sont les matchs des équipes nationales qui prennent le avec la qualification pour la Coupe du Monde. Je pense que le PSG aura à cœur de montrer un petit peu son talent, l'étendue de son talent en tout cas pour cette rencontre contre le Stade de Reims. Allez, c'est parti, le voici, Léo Messi. Évidemment, on ne va pas passer sous silence la situation de Kylian Mbappé, hein. Vous savez, nous sommes à quelques jours, à peine quelques heures même, de la fin du mercato. Donc, est-ce qu'il va rester au PSG? Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il sera remplacé ou pas? Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui sont encore en suspens. Alors, moi, je pense qu'il va partir, hein, vu les propositions pratiquement impossibles à refuser là du Real. Je pense que le PSG a tout intérêt à marquer. Oh là 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 là. C'était chaud, c'était super chaud. Ah, dommage, on n'a pas pu mettre ce petit but. Allez, Wijnaldum. Oh là là! Dia qui est parti, le face-à-face avec... Attention! Oui! Remporté! Donnarumma qui remporte son face-à-face. Oh là là, c'était chaud. C'était super chaud. Ça, c'est une rencontre qui débute vraiment bien. J'aime bien, moi, ce genre de scénario-là. Allez, messieurs. Et Reims, je vous l'ai dit, hein, c'est pas la petite équipe. Hein. On est vraiment sur une équipe qui est assez sympathique à jouer. Je pense que ça va être un très beau match. Et mon souhait, c'est qu'il y ait des buts. J'espère vraiment qu'il y en aura plein. Voilà, donc Mbappé, hein, qui est de plus en plus proche de quitter le Paris Saint-Germain. 180 millions d'euros, ça se refuse difficilement, hein, quand même. Hein, surtout que le joueur, vous le savez, partira libre. Attention, monsieur l'arbitre qui estime qu'il y a faute. Je me concentre parce que là, je pense que ça va jouer vite. Ah oui, il partira libre Mbappé. Et puis, il y a évidemment hein, l'autre grand transfert avec celui de Messi. C'est Ronaldo qui, ça y est, est devenu et redevenu mancunien. Et ça, c'est quand même assez fou. Je trouve que l'info est assez incroyable, hein, franchement. La bonne interception. Oh, dommage cette passe. C'est pas bien. Oh là là, il s'est passé quoi? Bon, attends, je me reconcentre parce que là, je suis en train de perdre pied. Wijnaldum. Allez, Wijnaldum pour Messi. Pas d'évolution au score, toujours 0-0. Messi qui va y aller. Le soutien de Wijnaldum sur le côté. Wijnaldum qui va lancer ici sur le côté. Bernat qui va pouvoir entrer dans la surface. Essayer de. Et le but. Et ça y est, nous y sommes. C'est Mbappé justement dont on parlait juste avant qui marque ce petit but. Bravo Mbappé. Et le PSG hein, qui a été fixé cette semaine, tout comme toutes les autres équipes évidemment en Ligue des Champions, avec un très bon petit groupe, notamment Club Bruges. D'ailleurs, j'en profite pour saluer l'un de mes abonnés qui te reconnaîtra, donc qui est fan du Club Bruges. Alors, il m'a dit que c'est pas son équipe favorite, mais c'est quand même son nom. Hein. Et puis, il y aura évidemment City. City, les retrouvailles après le match perdu la saison dernière.
et puis Leipzig. Autant vous dire que c'est vraiment un très très bon groupe. Mais vous le savez évidemment, le groupe de la mort, c'est le second groupe, le groupe B. Avec quand même l'Atlético de Madrid, avec le Milan AC, avec Porto également, et Liverpool. Donc là, c'est quand même un match assez dingue. Donc vraiment, j'espère que ça va être de belles rencontres à suivre. Et puis évidemment, le groupe des Lillois. Alors qu'on fait tourner un petit peu. Pour l'instant, ils ne viennent pas trop au contact, donc j'en profite. Lille qui est avec Wolfsburg, avec Séville et avec Salzbourg, l'équipe autrichienne. Attention, on a finalement perdu cette balle. Je pensais les faire sortir beaucoup plus que ça. Ah oui, donc de sacrées petites rencontres à venir là. Je pense qu'on va bien se régaler. Et ça commence dès le 13 septembre. Mais avant ça, il y aura les qualifications pour la Coupe du Monde. Ça, c'est dès la semaine prochaine. Alors attention, on va essayer de se concentrer sur cette tête. Pourquoi pas ici, le deuxième but. Non, c'est Mbappé qui malheureusement ne s'impose pas cette fois-ci. Et c'est la mi-ton. Alors, je vous parlais donc des qualifications pour la Coupe du Monde. La semaine prochaine, il y a notamment la France évidemment qui joue. Il y a France, Bosnie, il y a aussi Ukraine-France. Il y a Italie-Bulgarie, il y a Chili-Brésil aussi, donc du côté de l'Amérique du Sud. Ce sont des matchs que je proposerai sur la chaîne. Il y aura également Inferro et Danemark, Suisse contre Italie et Belgique contre République Tchèque. Donc on a de très très belles rencontres. Il y en a une bonne, peut-être une bonne trentaine, quarantaine j'imagine. Mais voilà, vous en aurez quelques-unes sur la chaîne évidemment, ça c'est bien. On attend ça avec beaucoup d'impatience. J'ai fait des bêtises. Attention, ça partira vite. Tunnel jusqu'à l'autre. Allez, parfait. Mbappé. Oh, c'est mal donné. Ça semblait tellement simple pourtant. Ça c'est pas mal. Allez, Gay qui va peut-être tenter. Gay qui tente. Repoussé pardon, par le gardien rémois. L'angle était un petit peu fermé, c'est vrai. Mais il fallait tenter quand même. Ce sera bien fait, je pense. Allez. C'est dégagé, loin devant. Excellent repli défensif. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout en dire. Attention, ça va partir très vite là-haut. C'est joué long. Attention. Ça, c'est très très bien joué. Le coup de tête. Ouh là 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 là, beaucoup de chance. Hein. Beaucoup de chance pour les joueurs parisiens. Et Donnarumma qui est très bon. Hein. Il a été très très bon là sur l'intervention décisive tout à l'heure, clairement. On n'était pas forcément dans la meilleure des dispositions. Et là, il était clairement battu. Hein. Heureusement, ça n'a pas payé pour les Rémois, mais on était très mal. Allez, messieurs, un deuxième but, ce serait bien. Avec un très bon Mbappé. Hein. Il a fait le boulot, ça, clairement. Allez, ça va jouer vite. On va essayer de la récupérer. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il joue en profondeur. Ramos. Joue sa gueule. De belles choses là. Allez, l'heure n'est plus au calcul. Non, c'est bien vrai. Neymar. Wijnaldum. Marco Verratti. Neymar. Pour Joue sa gueule. Moi Darren. Votre sentiment. Messi. Ils espèrent tenir cette courte avance jusqu'au bout. Allez, Idrissa Gueye qui va. Oula! On va attendre pour le tirer. Alors, je n'ai pas vu la faute, hein, je vous l'avoue. C'est sur Wijnaldum, visiblement. Ouais. Allez, c'est généreux. Hein. C'est vraiment généreux. Surtout, on avait déjà perdu la balle. Mais c'est pas grave. C'est une belle occasion pour Neymar. Peut-être pour enfoncer le clou. On va essayer de faire quelque chose de bien. Allez, Neymar. Ça passe à côté!
juste au-dessus, c'est dommage, c'est dommage. On en reste à 1-0 pour l'instant. J'aimerais vraiment mettre un second petit but là. Allez, on va essayer de lancer Mbappé, ça va être compliqué, mais on ne sait jamais. Ah, c'était pas si loin, c'était pas si loin. Ah oui, une faute de Mbappé, peut-être un carton. Carton jaune. Carton jaune, pourtant j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment touché le joueur. Hein. Pour moi, on a effectivement le tacle. Ouais, c'est après coup. Après coup, il vient s'empaler dans notre tacle. Bon, écoutez, ça fait un nouveau carton. Il décide d'allonger le jeu. Quel jaillissement! Allez, Verratti. Marco Verratti. Pour Messi. Pour Mbappé, qui est un petit peu seul. Qui va un petit peu. Ah, dommage. Dommage, dommage. Je pensais que qu'il partait Neymar. Mais avec beaucoup de chance, on récupère cette balle. Ça, c'est très bien. Allez, Wijnaldum. Allez, on va essayer de la jouer vite. Eh oui, là, il y avait faute. Il y avait faute. Peut-être un petit carton. Est-ce qu'on peut tenter? Est-ce qu'on peut tenter? On va tenter. On va tenter. Allez, Neymar, qui a encore la balle. Encore 5 minutes à jouer. Mbappé. Qui ne la prend malheureusement pas. Wijnaldum. On n'a pas récupéré la balle. Allez, les Rémois qui vont se dégager. Ça joue long. Il allonge, pourquoi pas. Alors, ce n'est pas impossible que je propose le match de United. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Hein. Il faut vraiment que je trouve le temps de le faire. Ouh, le beau tir. Le beau tir bien repoussé, là. L'une des dernières occasions du Paris Saint-Germain, mais il fallait la tenter. Hein. On avait du champ. Ah oui, c'est pas mal joué. C'est pas mal joué du tout. Essayez de s'appliquer sur ces corners. Allez, on va essayer de faire une petite, un petit tir tendu. La tête. Et Messi, ça passe à côté. Ça passe à côté. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est vraiment dommage. On va en rester à 1-0 pour l'instant. Il reste pas grand chose à jouer, peut-être une dernière occasion si on arrive à la récupérer et à la relancer très vite. Ce qui sera pas le cas, donc on va en rester là. Une victoire 1-0, alors c'est pas ce que j'espérais, mais bon, c'est quand même une victoire. Hein. On va pas s'en plaindre. Avec ce but de Kylian Mbappé à la 31e minute, hein, le PSG a parfaitement terminé cette première petite session de Ligue 1 avant la trêve internationale. Avec donc une place de leader, hein, si évidemment ça se confirme dans le vrai match. Avec évidemment une possession qui est en notre faveur, on a tiré 7 fois, 5 tirs cadrés, 40% de possession pour les Rémois, hein, nous 60, donc ça c'est très très bien. Du côté homme du match, évidemment, ce sera Kylian Mbappé, même si j'avoue que j'ai été un petit peu déçu par la qualité générale de l'équipe. Même si on aurait évidemment pu faire mieux, je suis quand même content de ce résultat. Je vous invite, si ce n'est pas fait, évidemment à liker cette petite vidéo, évidemment également à vous abonner. Et puis je vous invite également, plus que tout, à également regarder la page communauté. Je mets pas mal de petites choses sympathiques tout au long de la semaine, hein, sur les différents transferts, sur les matchs à venir par exemple. N'hésitez pas à aller voir ça et je vous dis donc à très très bientôt. Ciao ciao. Hey, vous êtes encore là et ça c'est vraiment cool. Il ne vous reste plus maintenant qu'à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous propose une petite sélection de vidéos à découvrir. Allez, merci encore et à la prochaine.